Bonjour à tous, c'est Olivia de Badog Shop et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto apprendre à son chien à aller au panier. Ça peut être vraiment pratique quand le chien doit rester calme. Par exemple, lorsque vous êtes à table ou quand vous faites le ménage, c'est vraiment pratique si le chien a un endroit avec son panier où il ne dérange personne. Donc je vais vous expliquer deux choses, lui apprendre à aller dans son panier et lui apprendre à y rester. Attention, le panier ne doit jamais être une punition pour le chien, il doit vraiment y aller avec plaisir. Assurez-vous d'avoir vu ma vidéo sur le clicker training. Vous êtes prêts? C'est parti! La première étape va être de tapoter le panier du chien avec votre main. Et si le chien s'y intéresse, vous cliquez et vous donnez le bonbon. Petit à petit, si le chien essaye de s'approcher du panier, cliquez et récompensez. Jusqu'à arriver à ce qu'il se mette complètement dedans. N'hésitez pas à récompenser en mettant le bonbon dans le panier, au moins comme ça, ça va vraiment l'inciter à y rester. Une fois que le chien a bien compris ça, vous pouvez passer à la deuxième étape. La deuxième étape est qu'il se couche dans le panier. Donc évidemment, il faudra avoir déjà appris à votre chien à se coucher. Vous lui demandez un coucher. Vous pouvez évidemment l'aider avec la friandise s'il a plus facile. Coucher. Alors il y aura deux récompenses, une que vous donnez dans le panier et une que vous lancez en dehors du panier pour pouvoir continuer à travailler ces enchaînements. Ensuite, la troisième étape, ça va être de lui apprendre à rester dans ce panier. Pour cela, vous lui dites « reste », vous enlevez votre main, mais vraiment juste une seconde, vous cliquez et vous récompensez si le chien est resté. Reste. S'il se relève, c'est pas grave, vous le remettez au coucher sans rien dire. Petit à petit, vous enlevez votre main un peu plus longtemps, vous cliquez toujours et récompensez quand le chien ne bouge pas. Reste. Après, vous allez vous relever et féliciter votre chien d'être resté, vous le récompensez. Parce que ça, c'est vraiment une difficulté au-dessus. Faites quelques pas en arrière, toujours en regardant le chien, donc face au chien. Si le chien reste, vous cliquez et vous récompensez. Ensuite, de plus en plus loin. Reste. Ouais. Maintenant, vous allez faire quelque chose du quotidien, vous faites habituellement, pendant que votre chien doit rester dans le panier. Donc par exemple, vous allez vous asseoir dans le fauteuil, puis vous récompenser, etc. Ça peut être vraiment plein de choses. Et voilà, maintenant vous savez comment faire. Évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça va prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour lui apprendre. Ne faites pas tout d'un coup, ça vaut pas la peine. Ça va être trop compliqué pour le chien. Vraiment y aller progressivement. Et quand ça ne va pas, n'hésitez pas à revenir à l'étape précédente. C'est que le chien n'a pas compris et que vous êtes allé trop vite. Et si vous faites tout ça, il n'y aura aucun problème. Vous avez sûrement remarqué ce beau panier. Vous pouvez bien sûr le commander sur Badog Shop. Les liens seront en description. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye !